Guingamp, adversaire particulier dans cette fin de championnat, ou au regard de ce qui s'est passé au match aller? Guingamp, adversaire de qualité avant toute chose, avec, avec des joueurs, encore une fois, de grande qualité. Et effectivement, même si ça remonte au mois d'août, on se rappelle qu'on a pris une belle gifle au match aller. Donc, on ne repense pas au match aller, puisqu'il y a pratiquement toute une saison qui s'est écoulée entre-temps. Et aujourd'hui, on a simplement envie de continuer à avancer sur le plan comptable avec pour objectif d'aller titiller la place qui est juste devant nous. Tout le monde vous dit top 5, top 5. On a l'impression que vous ne prenez pas la tête, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec ça spécialement, Nicolas. Ouais, on n'a pas envie de se prendre la tête parce que une fois qu'on a atteint l'objectif à Valenciennes, donc l'idée c'était qu'il n'y ait pas de décompression. J'ai pu constater au quotidien qu'il y avait des joueurs qui étaient toujours concernés, quelle que soit leur situation contractuelle, parce qu'on sait que c'est des périodes justement quand l'objectif est atteint, les joueurs ont le réflexe automatiquement de parler d'avenir. Et là, le seul avenir qui a été évoqué entre nous, voilà, parce qu'il y a des discussions qui peuvent avoir lieu dans un autre cadre, les seules discussions qu'on a eues entre nous, c'était déjà dans un premier temps de battre le record de points. Donc ça a été fait la semaine dernière. On a réussi à glaner un point difficilement mardi, puisqu'on a marqué un but à la 93e qui nous a permis de revenir à 3 avec un point. Et demain, on reçoit une équipe pareille qui a des ambitions aussi d'aller chercher ses barrages, une équipe de qualité avec des joueurs à fort potentiel. Dans quelle organisation ils vont jouer, ça je ne sais pas encore, mais ils ont aussi la possibilité de jouer en 4-4-2 si Alouazani rentre. On connaît Guillaume, Sidibé nous avait fait beaucoup de mal à l'aller, Dylan Wieser, c'est une équipe de très grande qualité. Vous dites finir le plus haut possible, il y a un enjeu, c'est les droits télé qui sont... Graduer sur la place, c'est quelque chose. Les joueurs, ils pensent pas forcément. Non, moi non plus. Non, non, certainement les dirigeants, ils doivent y penser, c'est normal, voilà. Mais nous, les coachs, on n'a pas de machine à calculer. Voilà, on a juste une analyse des joueurs. On a juste envie de finir le plus haut possible, en sachant très bien qu'aujourd'hui, à 4 journées de la fin, on est 6e. On sait très bien, puisque ça, on connaît quand même les règlements, que la 5e place et la 4e place offrent la possibilité de faire des barrages. Les 3 premiers aujourd'hui, sur le plan comptable, ils sont quand même assez loin. Donc, je pense que ces 3 équipes se disputeront les 2 places pour monter à l'étage supérieur. Et après, il y a de nombreuses équipes qui peuvent se disputer cette place de 4 et de 5. Est-ce que le fait justement de dire on veut finir le plus haut possible sans dire forcément on veut jouer les barrages, c'est une manière de vous prémunir d'une déception? Non. Pour être légitime aussi. Non, pas se prémunir d'une déception. Simplement, l'idée pour... C'est bénéfique pour tout le monde de finir le plus haut possible. Donc, si jamais à l'issue de la 38e journée, on est 6e, on ne sera pas déçu, on sera fier de la saison effectuée. Mais comme ce groupe vit bien ensemble, qu'il se passe des choses, alors sur le terrain, c'est normal, mais aussi sur le plan humain, c'est des garçons qui vivent très bien ensemble, qui passent des bons moments ensemble. Et dans l'idée, quand on passe des bons moments entre nous et que ça se passe très bien, ben, si on peut prolonger de 15 jours, on ne va pas se priver, quoi. Voilà, ça sera 15 jours de bonus, pourquoi pas, ou 3 jours, ou 6 jours, ou 9 jours, puis après on ne sait pas ce qui peut se passer. Ce qui est important aussi, c'est la qualité de ce que vous proposez sur le terrain, et c'est ce qui fait aussi que vous êtes à cette place-là, et la force de votre jeu qui vous permet d'aborder n'importe quel adversaire droit dans les yeux. Oui, alors l'idée dans ce moment-là, c'est d'être régulier dans la performance. Et on s'aperçoit sur les 2 matchs effectués qu'on a réalisé 3 mi-temps de qualité et une mi-temps où on peut perdre le match. Donc effectivement, au plus on arrive dans le money time, au plus on arrive proche de ces places qui quelque part se sont très attrayantes, et au plus il faut être très fort dans les détails. J'ai aimé la réaction sur le plan du caractère mardi en deuxième mi-temps quand on arrive à marquer un but sur la 93e, mais je suis totalement mécontent de la deuxième période en termes de maîtrise et en termes de proposition de jeu. Voilà, en deuxième mi-temps, on a eu du mal. Il y a une équipe qui nous a bousculé, il y a une équipe qui a joué sa survie, et c'est très bien d'avoir pu glaner un point. Avec un peu de recul, qu'est-ce qui a manqué sur cette deuxième mi-temps? Voilà, de la maîtrise. Ils nous ont imposé une intensité un peu plus soutenue en seconde période. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est sur la première période de pas avoir profité encore plus des temps forts. Voilà, tout simplement pourquoi pas marquer un deuxième but. Mais après, quand on est mené 2-1,
On ne se crée pas beaucoup d'occases en deuxième mi-temps, puisqu'on n'a qu'une occasion, c'est celle de Moussa Sylla sur la frappe croisée. On a eu peu de situations de coups de pied arrêtés en seconde période. Et ce qui est intéressant, c'est quand on parle de caractère, quand on parle de groupe, c'est que c'est une passe de Mehdi Chaïri pour Mons Bassouamina, qui les deux joueurs venaient de rentrer. Donc ça, c'est très bien, et c'est des signaux qui sont importants pour tout le groupe. Voilà. Et on sait très bien que, bien entendu, c'est pareil, c'est pas de la démagogie, mais il y a 11 joueurs qui sont amenés à débuter le match, mais on sait qu'il y en a 7 qui peuvent le finir. Et l'idée, justement, c'est d'avoir ce discours qui reste le même, en sachant que les joueurs qui rentrent, ils ont pour mission de faire basculer le match. Au niveau de cette équipe de Guingamp, comme Pau, Guingamp est vraiment meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Pau, c'est un peu plus kiff-kiff au niveau des points. Qu'est-ce qu'il faut en retenir de ça? On avait fait le même constat sur Laval. On avait fait le même constat sur Laval, puisque Laval est une équipe très très performante à l'extérieur. Ça ne nous a pas empêché de les battre. Après, Guingamp, par rapport au Pau FC, quand on est sur la ligne de départ au mois d'août, on n'a pas les mêmes ambitions. Voilà. L'ambition du club de Guingamp, de par son budget, de par ses structures, de par son passé, avait l'ambition début d'année de monter en Ligue 1. La concurrence est rude. Nous, on, au départ, on connaissait notre objectif. Donc le fait d'être là, ça doit nous permettre d'être beaucoup plus relâchés, de croquer là-dedans avec beaucoup, beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup, beaucoup de détermination. Est-ce que dégager de la pression comptable, du coup, le levier dont tu as parlé au début, la revanche face à cette équipe et au match aller, prend plus de place ou pas? Non. Très sincèrement, non. Ouais, très sincèrement, non, parce que c'est un autre contexte. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'était un moment où le mercato n'était pas encore terminé. Donc, il y avait des joueurs qui n'étaient pas encore arrivés. Moussa Sylla, je crois qu'il venait d'arriver, puisque c'était la J4, si je dis pas de bêtises, Guingamp. Des garçons comme Mehdi Chaïri n'étaient pas arrivés. Il y a eu beaucoup de mouvements. Ce jour-là, le coach n'avait pas forcément mis en place un plan de jeu qui avait porté ses fruits. Voilà, ça aussi, ça va être capable de le dire. On avait fait un match où on était passé complètement à côté. C'est un lointain souvenir, mais on s'en rappelle quand même. Enfin, moi, à titre personnel, je me rappelle très bien de ce qui s'est passé ce soir-là. Vous n'aviez pas maîtrisé le ballon, c'est ça? On s'était fait rentrer dedans, ils avaient été beaucoup plus performants que nous. On avait joué dans une organisation un peu hybride qui nous avait pété dans les doigts, voilà, qui m'avait pété dans les doigts au match aller. Donc on se rappelle de ça, quoi. On se rappelle de ça, bien entendu. Mais il n'y a aucune animosité vis-à-vis de l'adversaire de demain, hormis le fait qu'on a envie de gagner ce rapport de force face à une équipe de qualité et qui peut être brillante d'une part sa composition et d'autre part par ses forces offensives. Voilà, Guillaume, Elouazani, Merguem, Sania, je ne vais pas en dire d'autres, c'est des joueurs de grande qualité. Vous allez jouer à peu près, vous, la même équipe qu'eux, mais eux ne joueront peut-être pas la même équipe que le Pau FC ou par rapport au match aller. Exactement. Ouais, c'est ça, puisqu'il y a eu quand même pas mal de mouvements. Il y a des joueurs qui se sont imposés au fil des semaines. Voilà, on peut parler par exemple de Ange Aoussou, qui était un jeune joueur au mois d'août et qui est un joueur qui est en pleine progression actuellement. Donc Moussa Sylla découvrait le club au mois d'août. Là aujourd'hui, Moussa Sylla, c'est un joueur qui réalise une très bonne saison, mais il sait très bien que la saison n'est pas terminée. Donc d'une très belle saison, il peut en faire une saison. Pas exceptionnel, mais il peut augmenter ses stats, voilà. Il doit augmenter ses stats au même titre que Ralid, au même titre que Mons, au même titre que Yanis, enfin, que tous les joueurs offensifs. On a envie d'avancer et on a envie de passer encore de bons moments ensemble. Alors oui, on passe des bons moments au quotidien. Voilà, cette semaine, on a eu deux anniversaires avec Jordi Gaspard et Ralid Boutaïb. C'est des bons moments, mais les meilleurs moments qu'on passe ensemble, c'est quand on gagne des matchs. L'emballage final, il y a l'enchaînement de trois matchs. Au-delà donc du banc qui a mis le dernier but à 3, il y a aussi peut-être le fait d'avoir mobilisé des joueurs. Par exemple, il y a le petit Coléo qui a joué, il y avait une grande titulaire. Ben, ouais. Aussi, ça,
Bien sûr. Alors Thomas Coléo, pour mettre en avant son match, c'est un garçon qui a été titulaire mardi et qui n'est pas dans le groupe et qui va jouer dimanche en réserve et qui jouera milieu de terrain à son véritable poste. La satisfaction pour Thomas, c'est que ça fait depuis environ la mi-janvier qu'il travaille à ce poste de latéral droit. Il a joué 3 ou 4 matchs en réserve à ce poste-là. On savait qu'à un moment donné, si on avait besoin de lui, il fallait faire appel à lui. Et à partir du moment où Jordi Gaspar est en incapacité de jouer, il est hors de question de mettre un joueur qui n'était pas à son poste, puisqu'on l'avait fait travailler lui. Donc, il a fait un match, de bon niveau. D'abord piston droit et sur la dernière demi-heure, latéral droit dans une défense à 4, où il a répondu à mes attentes sur le plan tactique. Toujours par dizaines. Oui, oui. Si on arrive à 60, ça sera un bon chiffre. Ça sera top 5. Ouais. Je vous laisse mettre de vos propos. Mais bon. Merci, Nicolas. Allez, bon après-midi. Allez, on est parti. Parlez-nous un petit peu de, j'ai envie de dire, l'euphorie ou pas, ou l'envie, ou comment on peut exprimer ce match qui arrive contre Guingamp? Non, pas d'euphorie, c'est juste du plaisir. Et maintenant qu'on a atteint notre objectif, on peut jouer un peu plus relâché. Et ça s'est vu contre Laval, donc voilà, donner du plaisir et surtout en prendre. Cette équipe de Guingamp fait partie des équipes, je dirais, cotées de ce championnat. Autant dire que ça s'annonce quand même équilibré. Oui, bien sûr, on connaît la valeur de cette équipe et de ce club, qui est un monument historique français quand même, c'est un gros club. Et voilà, mais après nous, à titre personnel, on aurait une petite revanche du match aller parce qu'on n'a pas oublié la claque qu'on a pris là-bas. Donc voilà, ça va être le petit enjeu du match, de se rattraper du match aller, on va dire. Il y a un peu plus qu'un petit enjeu, c'est être dans le top 5 pour jouer les barrages. C'est quelque chose dont vous parlez là, en ce moment, qui vous anime un peu? Non, du tout. On n'a pas voulu en parler à la trêve hivernale. On n'a pas parlé non plus quand on était dans la vague négative, on va dire. Donc non, nous vraiment, voilà, on est soulagés d'avoir obtenu ce maintien assez tôt. Et maintenant, vraiment, on prend du plaisir et on prend match après match. Et voilà, nous, dès qu'on rentre sur un terrain compétiteur, on veut tout le temps gagner. Donc là, c'est vraiment la notion de match après match, plaisir et victoire. C'est quand même une belle cerise sur le gâteau, quand même, jouer les playoffs. Oui, bien sûr, parce que ça serait historique pour le club, mais si on ne les atteint pas, ça serait pas non plus, il ne faudra pas remettre en question tout le travail qui a été fait toute l'année, donc on sera quand même satisfait de cette belle saison. Est-ce que c'est ça qui n'est pas finalement le plus simple, c'est-à-dire d'être dans le beau rôle, celui où il ne peut rien vous arriver de mal, où tout est à gagner? Oui, exactement, c'est pour ça, comme je disais, on ne se fixe aucun objectif, aucune limite, et voilà, maintenant on est un peu plus relâché et ça se voit même aux entraînements. Donc voilà, après on reste quand même des compétiteurs et on ne veut pas non plus faire n'importe quoi. Donc quand on rentre, comme on l'a fait depuis la première journée, c'est pour les 3 points. Et ça, c'est ce qui va se passer pour les derniers matchs. Cette équipe par rapport au match aller, cette équipe paloise, elle a quand même sacrément grandi. Oui, bien sûr, on a beaucoup plus de certitudes. Après, il ne faut pas oublier qu'au match aller, il nous manquait beaucoup de joueurs, surtout au milieu de terrain, on va dire. Et voilà, maintenant, on n'est plus du tout la même équipe. Et voilà, on voit une équipe un peu beaucoup plus mature et beaucoup plus consistante. Vous êtes en confiance, en fait, puisque le dernier match, ça a été pratiquement celui qui a été le plus fructifié de la saison, avec 3 buts marqués à domicile. Oui, bien sûr, c'était vraiment, on va dire, même s'il y en a eu d'autres, un bon match référence parce qu'on a maîtrisé le match de la première à la dernière minute. Et voilà, il va falloir s'appuyer sur ce genre de performance pour continuer de prendre du plaisir parce qu'avec cette victoire-là, on était bien heureux et le public aussi. Dans les équipes qui jouent le haut du tableau, il y a 2 des plus petits budgets. Rodez et vous, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les clubs travaillent bien et que voilà, on n'est pas obligé d'avoir des gros moyens pour pouvoir faire de belles choses. Et il ne faut pas oublier Laval qui était là aussi pendant très longtemps. Et comme je l'ai dit avant les matchs,
quand il y a ce duel au début de saison, on se dit ouais, ça va être un match pour le maintien, ça va être un match haché, tout ça. Et au final, tu vois qu'en avril, on dérange tout le monde et que voilà, ça reste des bons matchs ouverts avec du beau football. Tant mieux. Vous êtes reparti de la Val-Marie avec quel sentiment ? Content d'avoir pris un point ou un peu ? De trois, pardon, oui. À Laval, c'était une belle victoire, donc on l'a tous dans les têtes. Non, 2-3, non, c'est... Ben, on avait bien commencé. Après, c'est dommage qu'on ait eu ce petit creux en début de deuxième. Mais voilà, on va essayer de retenir la série en cours d'invincibilité et surtout l'entrée de certains gars qui voilà, où Mehdi fait une passe à Mons. C'est deux gars qui sortent du banc et voilà, ça montre la valeur de l'effectif et qu'on ne perd pas en qualité quand le coach fait les changements ou quand il fait tourner et tout. Donc voilà, c'est très bien pour le moral de eux surtout et après pour de l'équipe. On montre qu'on a du caractère et qu'on ne lâche pas jusqu'à la dernière journée, on ne va jamais lâcher. On est certes dans le sprint final quasiment, mais les matchs commencent à s'accumuler. Est-ce que le fait d'être sur cette série d'invincibilité, ça permet de mieux gérer la fatigue ? Est-ce que... Oui, bien sûr. C'est un peu comme au mois de novembre-décembre, on a enchaîné beaucoup de matchs et on va dire que tu récupères beaucoup mieux et plus vite quand tu as les résultats. Parce que voilà, il y a la fraîcheur mentale, t'es heureux et tout. Donc voilà, c'est important et on a surtout pas envie de finir cette saison où tu viens par dépit et par défaut. Donc on veut venir voilà, toujours être impliqué et chercher les résultats toujours. Le coach avait dit qu'au lendemain du match de Laval, vous alliez un petit peu discuter de cette fin de saison. Qu'est-ce qui a pu en ressortir ? C'est ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, c'est qu'on ne veut pas venir et être vraiment en roue libre ou à l'entraînement ça devient n'importe quoi, qu'en match on se prenne des raclées et tout ça. Non, on veut toujours être impliqué et le coach, le premier, c'est un compétiteur. On le voit, il est toujours à fond malgré le maintien et voilà, c'est important même pour le championnat, ne pas le fausser, même si voilà, nous on joue pour gagner. C'est ce qui est depuis la première journée. J'ai jamais vu un joueur de notre équipe se dire « Allez, on rentre et vas-y, si on se prend un 3-0, c'est pas grave et tout. C'est pas notre mentalité, ça le sera jamais. » Et est-ce que finalement, dans cette course pour le top 5, vu que vous y allez sans la moindre pression, est-ce que ça peut pas être finalement un atout, un grand atout même, par rapport à d'autres équipes qui s'étaient fixé ça comme objectif ? Ouais, c'est possible, mais... on se prend même pas la tête, on n'y pense vraiment même pas parce qu'on sait que dans ce championnat, tu fais deux défaites, ça y est, tu rentres dans le wagon et on n'en parlera plus. Donc voilà, on se met rien dans la tête. Vraiment, c'est on va, on s'entraîne, on se prépare bien et on rentre sur le terrain pour gagner et on verra ce qui se passera. Nous, on ne se prend pas du tout la tête sur ça. On laisse les gros clubs se prendre la tête. Messieurs. Merci Rally. Merci. Vous allez essayer de me piéger, hein. Merci, okay. Non, mais c'est joli en plus. Allez, viens.